un peu vénère parce que je suis allée avec Jean-Mi pour voir sa chirurgienne pour avoir ses résultats de biopsie. Il m'a refoulé à l'entrée. Donc il est parti tout seul. Ça fait une heure que j'attends là. Je commence à boire chaud dans la voiture. Je suis rouge. Enfin bon, voilà. Et bien j'attends. Alors, je me fous éperdument de cuir dans la bagnole. Mais j'estime que jusqu'à présent, j'ai fait preuve de patience et de discipline. Donc, ça commence à me gonfler. Parce que je pense que pour un problème de santé important, on pourrait au moins avoir droit à un accompagnant, quoi. En l'occurrence, j'aurais dû accompagner mon mari. Voilà. Eh ben non, il est tout seul. Moi, j'en suis tellement énervée que j'en ai les cheveux tout en l'air. Tiens. Eh ben, ils sont tellement. Alors, la température, changement de masque, l'alcool, le pass, le vaccin, la carte d'identité, tout ce qui s'ensuit pour entrer là-dedans. Et il refoule celui qui accompagne. Bon. Merde alors. Le pire, c'est que je suis vaccinée, on a les papiers, carte d'identité, tout. Pas le droit de rentrer à deux. Ouais, même pas le droit d'accompagner son homme ou pas le droit d'accompagner sa femme, si c'est le contraire. Hein. Alors là, ça commence à me faire chier, ça. Retour de qui? Retour de mon chéri. Il a toujours son brassard. Putain, faut que j'enlève. Parce que, il vient d'arriver, là il va boire son petit café, il est chez lui, il est sauvé. J'avais peur que je perde mon nom parce qu'il y a plein de poids. Voilà, il y a plein de gens qui t'ont envoyé plein d'encouragements. Eh bien merci à tous, merci. Alors jour 1 à la maison, voilà. Après on va voir ce que ça donne. Ça ne peut que s'améliorer. Ça ne peut que s'améliorer. Voilà. Bon. Ah, première épreuve de passer. Oui. Nous voilà de retour. Bonjour. Mon chéri, après sa grosse intervention, alors il a encore tout un tas d'agrafes là. Non, mais, oui, pas, mais là. Pas, oui, ouais. Il a tout un tas d'agrafes. Mais ça va mieux. Oui. Hein, il se repose. Il a un peu perdu de ses couleurs. Touchez pas la télévision. Et donc, pour la première fois, il a pris la voiture et on a été chercher le drive à Carrefour Market. Donc, on a été pas loin, un kilomètre de là. Et puis, on a fait un petit tour à B&M. Tout à fait. De façon à changer nos rideaux, puisque on change nos rideaux à chaque période de l'année. Donc, je vous ferai voir après quand ils seront installés. Donc là, je vais vous faire voir nos petites courses et puis après les rideaux. Voilà. Et là, il va prendre sa petite collation parce qu'il a besoin de se requinquer. Ouais. Et, ah, oui. Et puis voilà, on va continuer. Moi, je vais faire voir mes courses pendant ce temps-là. Donc, j'ai pris du salami. J'ai pris des petits dés de jambon qui remplacent les lardons. Parce qu'en fin de compte, les lardons sont fumés. Moi, j'aime pas quand c'est fumé. Donc, on prend des petits dés de jambon, comme ça, et ça fait des lardons. De la rosette. J'ai pris du jambon. Je lui ai pris du jambon cru. Voilà, du jambon cru. Un camembert coulommier. J'ai pris deux. Alors, comme d'habitude, un paquet de gésier de volaille et du foie de volaille. Ça, j'aime bien. On aime bien de temps en temps faire ça avec de la salade. Des cuisses de poulet. 3,81€ les 4, 2, 4, 5. Les 5 os de poulet. Ensuite,
des pains de mie pour faire soit des croque-monsieur. Ah oui, il y a le congèle. Ah oui, je vais d'abord faire voir ce qui va au congèle parce que ça, il faut que ça soit rangé. Alors, ce qu'on aime bien et qu'on prend dès qu'on a l'occasion, beignet à la romaine. Alors ça, c'est très bon. Ça va être des encornés. Hein. Beignet à la romaine. De la viande hachée. Pour faire de la chie parmentier ou des boulettes. Des boulettes de bœuf, parce que ça c'est pareil. Avec de la sauce tomate ou ce qu'on veut, pareil, on cuisine comme on veut. Hein, des boulettes toutes faites. Des moules du Pacifique, très bonnes. Moi, je ne prends plus que celle-ci, hein, je laisse les coquilles. Et puis, du colin d'Alaska, à la bordelaise. Alors, je mets tout ça au congélateur. J'en reviens à mon sac de pain de mie complet. Oui, ça doit être ça. Ça doit être du pain de mie complet, je pense. Moelleux. Pain de mie pour faire des croque-monsieur, pour manger comme ça, hein, en guise de pain. Moi, je mange ça comme du pain. Voilà, on a pris deux grands paquets. Pour les déjeuners le matin, des croissants. Ensuite, j'ai pris des petites boîtes d'haricots verts. Deux boîtes de champignons. Une boîte de choux de Bruxelles. Et une boîte avec des œufs. Donc, des petites asperges blanches. De la crème. De la crème. Ça, quatre petits fripons chocolat. 1,99€. Voilà. Et ben, ça a l'air d'être excellent. On va goûter ça pour notre goûter. Hein, mon chéri? Regarde ce que j'ai pris pour notre 4 heures. Oh, j'ai goûté un petit bout, moi. C'est du chocolat. Ensuite, des légumes. Alors ça, c'est pour faire ma soupe. Après, je rajoute des champignons, des pommes de terre. Et la base, je me sers de ça pour faire ma soupe l'hiver. Voilà, donc j'en ai pris deux. Pareil, de la macédoine de légumes. Du thon au naturel. Du cœur de palmier. Et une petite boîte de ratatouille. J'ai pris aussi Carolin. Alors, c'est du nettoyant au savon de Marseille. Pour faire les sols. T'as vu, mon chéri, pour 4 heures? Qu'est-ce que t'as pris? Viens voir. Mais pour aujourd'hui, là? Oui. Ah, bah, je t'ai sorti un peu. Non, mon Dieu, ça a l'air d'être bien bon. Alors. Hop. Bien. Ah, j'emmène. Merci. Au revoir. Alors.
mon dernier sac. Deux petites boîtes de champignons, 0,99€ la boîte. Des sucrines. On a mangé 0,99€ les trois. On a mangé notre dernière salade du jardin à midi. Voilà, il y en a encore une. Bon, d'accord. Bah, des tomates comme d'habitude, parce que quand je fais des entrées, j'aime bien mettre un petit peu de tomate aussi. Et puis, des carottes. Ben voilà, ça sera tout. Hein. C'est nos premières courses tous les deux. Hein? J'ai mis le retour, oui. Ensuite, donc j'ai pris ça, pareil, pour nous goûter. Si quelqu'un vient, ça, c'est, ils sont très bons. Les petits Milka, là, comme ça, il y en a le plein buffet. Mais enfin, il faut toujours en avoir une réserve. Et puis, j'ai trouvé qu'elles étaient tellement belles que je les ai pris. J'ai trouvé deux petites citrouilles pour faire ma déco d'automne, parce que moi, je m'en fous d'Halloween. Mais ma déco d'automne pour mettre sur un plateau, c'est joli, j'ai trouvé. Une petite citrouille orange, ben, qui va être de la couleur de mes doubles rideaux, et une argentée. Donc, les rideaux. Alors, les rideaux pour la cuisine. Donc, je prends toujours avec deux épaisseurs. Je prends une nid et par-dessus, je remets une autre couche comme ça. Donc, j'ai pris, ça fasse un petit peu orangé. Pardon, un petit peu orange clair. Je vous ferai voir quand ça sera installé. Et les doubles rideaux orange comme ça. Bon, et ben ce sera tout, moi. Nos premières courses, après toutes ces péripéties. Donc, on va goûter parce que c'est l'heure de notre collation. On a tout fait. On a été à la pharmacie. On a fait tout ce qu'on devait faire. Donc, maintenant, on va se poser. On va goûter. Et puis, on vous reprend plus tard quand tout sera installé.